Aujourd'hui, je te partage une technique de dingue, comment tracer la bisectrice d'un angle avec rien du tout. Je sais que ça regarde une règle non graduée. Alors qu'il y a un rapporteur qui traîne toujours ici, je ne vais même pas l'utiliser. Bisectrice d'un angle, qu'est-ce que c'est? Je vais tracer à droite qui partage cet angle en deux angles égaux et je vais le faire de manière précise. Première étape, tu places ta règle ici. Et tu vois, ça pourrait être un bout de bois, on s'en fiche, tu places ta règle ici. Et tu prends deux points au hasard, deux petits moments. Et juste en fait, il faut que tu les reportes sur ton bout de bois. Tu vas appeler ça un bout de bois, ok? Tu les as, tu récupères ton bout de bois et ensuite, tu fais la même de l'autre côté. Donc je place à nouveau mon bout de bois et je reprends ces deux petits moments. Ils sont là et là. Et à ton avis, comment je finis le travail? Ben, on va relier ces deux points et ces deux points. Et donc ça y est, tu la vois la bisectrice de l'angle AOB? Ben, c'est cette droite-là qui passe par le sommet de l'angle et le point que j'ai créé. Et je te fais même le petit codage qui te montre bien que c'est la bisectrice de l'angle. Et donc merci à monsieur Del Medico qui m'a appris ça quand j'étais en 5e. J'espère que ça t'a plu.